Allez, on fait comme ça. Merci Olivier. Merci Cyril pour cette présentation qui va en plus faire le pont avec la mienne, puisqu'on va parler de programmation modulaire et plus particulièrement de comment mettre en place de la programmation modulaire. Donc on va parler LVLib, LLB, LVClass, LVLibP, enfin tous les, tous les acronymes dont on a l'habitude de se servir quand on fait du Laview. Alors, je me présente rapidement pour ceux qui ne me connaîtraient pas. Donc, je m'appelle Amaury Laurent, hein. je fais du LaVio depuis 2014, certifié euh, LaVio architecte et développeur embarqué. Et je suis responsable système embarqué, enfin projet système embarqué. Je travaille chez NERIS. Donc, NERIS, en bref, hein, c'est la petite diapo obligatoire comme euh, celle de Cyril, a été fondée en 2007 à Gardanne dans les Bouches-du-Rhône. Hein, donc, on a une équipe de 15 personnes. On fait du banc d'essai, du banc de caractérisation, du système de mesure. Donc, on a un bureau d'études spécialisé en électrotechnique, en électronique, en mécanique. Un gros pôle de développement logiciel avec une forte expertise en la VIEW. Et NERIS propose également des solutions de pilotage qui s'appelle Vasco. Donc, c'est configurable, c'est personnalisable avec, le, avec la VIEW. Ça permet de piloter par scénario, de faire de l'historisation, on gère de la traçabilité. Je vous invite à aller voir sur notre site internet pour plus d'infos. Depuis 2022, NERIS et Mesulog se sont rapprochés pour former NERIS Group, ce qui nous porte aujourd'hui à trois sites physiques. Donc, on a Gardanne dans les Bouches-du-Rhône, Moirand en Isère et La Rochette en Savoie. En termes de compétences logicielles National instruments, on utilise régulièrement LabVIEW, Windows, RTF, PGA, TestAnd et Veristand. Nous sommes Silver Partner. Et Nos développeurs sont tous certifiés, soit la Vue, soit TestStand, donc avec différents niveaux de certification architecte, la Architect, architecte, TestStand, développeur embarqué, un CPI et un la champion dans nos rangs. Je vous invite à nous contacter soit à travers les sites internet des sociétés, soit à travers les adresses contact. On vous répondra, il n'y a pas de souci. Donc les exemples que je vais présenter et cette présentation seront disponibles sur le site internet que vous avez sur la diapositive. Elle n'est pas encore en ligne, on la mettra en ligne au plus vite. Donc, pour commencer, on va faire un petit peu de théorie. On parlera de la Vue plus tard, tout simplement, parce que la programmation modulaire, ce sont des concepts qui s'appliquent à n'importe quel langage et pas forcément à la View. Donc, première question qu'on peut se poser, bah, qu'est-ce qu'une application en fait Quand on va réaliser une application, on va remplir un besoin client et notre application, on va la construire autour d'une architecture qui va être définie par un architecte ou par les développeurs. Et cette application va utiliser des modules, des fonctions de la VI Lib, des fonctions de la User Lib. On va construire une grosse application à partir de modules plus petits ou de fonctions unitaires. Donc, une bonne illustration de ce qui peut être un module, on va commencer par ce qui n'est pas un module. Donc, j'ai trouvé un spaghetti code sur le forum de Lava. Donc, typiquement, ce code ne va pas dans l'état d'esprit d'une programmation modulaire. On a beaucoup de fonctionnalités appelées à plat, on n'a pas vraiment d'encapsulation. Donc ce code n'est pas modulaire. En termes de programmation modulaire, on peut aller voir un petit peu sur Wikipédia quelles sont les définitions à notre disposition. Donc, une des premières choses qu'on fait en programmation, quand on démarre le métier et qu'on commence à travailler et à apprendre la programmation, on fait de la programmation procédurale. Donc notre programme contient une liste d'étapes à réaliser, une liste d'instructions. Et ces instructions peuvent être appelées soit séquentiellement, soit dans le désordre, quand on fait ce qu'on appelle un branchement. Donc par exemple, une condition ou une boucle, on va répéter un ensemble d'instructions. Donc ça c'est de la programmation procédurale. On écrit un VI, on ne fait pas de sous-VI, on ne fait pas... On fait pas de fioritures, c'est programmation procédurale. Donc ça montre assez rapidement ses limites quand on va faire des programmes complexes ou des grosses applications. Donc quand la complexité augmente, on a introduit la notion de programmation modulaire. Donc on va décomposer une grosse application en un ensemble de modules cohérents. Donc <coughs> l'idée est de simplifier et d'améliorer la qualité des modules. En rendant ces modules indépendants et en les rendant cohérents. La conséquence, c'est que ces modules, on va pouvoir les réutiliser dans une autre application. Donc, on va pouvoir faire de la capitalisation de savoir-faire en réutilisant du code qu'on a développé et en le faisant vivre, en l'améliorant et en le fiabilisant. Troisième concept qu'on verra à la fin de cette présentation, c'est la programmation orientée objet. Donc, cette fois-ci, on va plutôt définir les interactions entre des objets logiciels. Et on va utiliser ces interactions entre objets pour construire les fonctionnalités de notre application. Donc la programmation orientée objet est une des solutions pour faire de la programmation modulaire. Donc on verra qu'il y en a d'autres. Ce n'est pas la seule. Donc par abus de langage, dans cette présentation, on va considérer qu'une application orientée objet est modulaire. Ce qui n'est pas faux. Donc les objectifs de la programmation modulaire, comme je disais, découper l'application en modules fonctionnels. Donc ça c'est la phase d'architecture. On analyse le besoin du client et on essaye de découper ce besoin en un ensemble de fonctions unitaires, pas trop complexes, qu'on va appeler des modules. Ce découpage va simplifier le travail en équipe puisqu'on va pouvoir confier le développement des différents modules à différentes personnes ou à différents groupes de personnes. De la même manière, ça va nous aider à simplifier la planification, puisqu'on peut assez facilement associer une tâche dans un gant à la réalisation d'un module. <coughs> la programmation modulaire va également renforcer la testabilité. Si nos modules sont bien découpés et bien indépendants les uns des autres, on va facilement pouvoir faire du test fonctionnel au niveau des modules. Une fois que ces modules sont développés, après on va faire de l'intégration et du test d'intégration. Et donc, comme je disais tout à l'heure, capitaliser le savoir-faire en réutilisant les modules, on peut imaginer assez facilement qu'un module de gestion d'erreur pourra vivre de projet en projet en gagnant des fonctionnalités et en faisant gagner du temps à tout le monde. Donc, les objectifs de la programmation modulaire sont vraiment d'avoir des gains palpables, soit par notre client, par amélioration de la qualité logicielle, soit par nous, en gagnant de l'efficacité au moment de l'écriture de l'application et de, de la conception et du test. Donc, les préceptes de la modularité. Quand on va faire de la programmation modulaire, on va se poser un certain nombre de préceptes pour éviter de tomber dans des pièges. Premier précepte euh, on va essayer de limiter au maximum les dépendances entre les modules pour avoir des modules le plus autonomes possible. Par exemple, on ne va pas mettre de variables globales appelées dans plusieurs modules parce qu'elles vont créer un couplage et on va avoir du mal ensuite à extraire un module sans extraire la globale et Peut-être aussi des morceaux des modules d'à côté. Deuxième précepte, on va faire ce qu'on appelle des interfaces explicites. Quand on veut interagir avec un module, on va devoir passer de l'information ou récupérer de l'information issue du module. Pour ce faire, on va utiliser des accessoires, on va utiliser des points d'entrée qu'on appelle des, des API. Et on va éviter d'accéder directement à des zones mémoire ou à des variables à l'intérieur du module pour limiter justement ce qu'on appelle les accès injustifiés à des données qui pourraient tout simplement corrompre l'application. On peut imaginer dans un module d'acquisition, si on a un module d'affichage ou d'enregistrement qui viendrait modifier une référence d'Achemix, ben ce n'est pas souhaité comme comportement et ça pourrait mener à des dysfonctionnements. Donc, troisième précepte qui fait un petit peu lien avec le deuxième, on va séparer les informations et les méthodes de nos modules en deux catégories publiques et privées, en réalité sous la vue on en a plus, on verra. Mais l'objectif c'est d'exposer uniquement les données et les méthodes pertinentes. Donc quand on développe un module, on va réfléchir aux fonctions de l'API qu'on veut exposer aux utilisateurs. Alors les utilisateurs, ça peut être vous-même en tant que développeur d'application, ça peut être vos collègues également, ça peut être un client. Et on va essayer d'exposer uniquement les fonctions de l'API qui ont un sens, c'est-à-dire les fonctions qui vont nous permettre d'interagir avec notre module. Des fonctions qui sont utilisées en interne, on va les laisser privées, on n'a pas forcément besoin de les exposer. Donc ces différents préceptes nous donnent un certain nombre de contraintes qu'on va s'imposer pendant le développement. Première contrainte, on va essayer de faire en sorte que nos modules soient tous indépendants, voire autonomes. Le DQMH est fait pour ça, par exemple. Donc, pas d'utilisation de variables globales à l'extérieur des modules. Si vraiment on veut utiliser des globales, on les cantonne à un seul module. Pas d'appels croisés ou peu d'appels croisés. Donc, si le module M1 doit interagir avec le module M2, idéalement, les interactions passent par le noyau applicatif. On n'a pas d'interaction directe entre modules. Autrement, on crée des dépendances. Et si on veut extraire le module M1 et qu'il a besoin du module M2, il faut extraire les deux modules. Donc, comme la communication doit passer au plus par le, le noyau applicatif, cette communication gagne à être standard de module en module. L'utilisation du Q-Message Jungler, par exemple, est une façon de standardiser la communication. Si on n'impose pas de standard à ce niveau-là, bah on va se retrouver à développer des wrappers à développer des fonctions de traduction pour intégrer un module dans notre application. Donc, idéalement, comme je le disais, tous les échanges entre modules passent par le noyau applicatif. Donc, si le module M1 doit communiquer avec le module M2, il doit faire une requête auprès de l'application pour que l'application communique avec le module M2 et lui renvoie une réponse, par exemple. Donc, ça alourdit un petit peu le fonctionnement de votre application, mais ça garantit l'indépendance des modules et ça garantit, du coup, une bonne réutilisation de vos modules. Et et une bonne testabilité de vos modules également. Troisième contrainte, pas forcément propre à la programmation modulaire, mais là c'est d'autant plus important, c'est de documenter son module. Votre module, quelque part, est un livrable. On va le donner à un collègue, on va le donner à un client pour qu'il soit intégré dans une application. Donc on va devoir donner une documentation du module. On va documenter son API, donc on va documenter les fonctions qu'on a exposées. Comment elle s'appelle, quels sont ses paramètres, ses valeurs de retour. Mais on va documenter également le fonctionnement du module. Est-ce que ce module doit être initialisé Comment il démarre Comment il fonctionne Comment on l'arrête également. Donc cette documentation est très importante, c'est elle qui va servir à vos utilisateurs pour savoir comment utiliser votre module dans de bonnes conditions. Et enfin, dernière contrainte, on va tester notre module nos modules. Quand on livre un module avec sa documentation, la moindre des choses, c'est que quand on appelle une fonction qui est dans la doc, ça fasse ce qui est marqué dans la doc. Donc la phase de test est très importante. Maintenant qu'on a vu un petit peu de théorie, on va passer à quelque chose de plus consistant, on va faire un petit peu de la view. Quand on veut faire de la programmation modulaire sous la view, on a un certain nombre de technologies qui sont à notre disposition. On va les balayer. Donc on va voir par exemple la LLB, la DLL, la LVlib, la LVclass, et puis on verra un petit peu leurs dérivés à base de LVlib B. Donc, <coughs> je tiens à préciser que ces solutions ne sont pas une fin en soi. On ne va pas faire de la LVclass en se disant, bah, c'est bon, mon application est modulaire, j'ai des LVclass partout. Euh, non, euh, l'utilisation d'une LVclass ou d'une LVlib est vraiment un moyen technique de structurer notre application, de créer nos modules et de les distribuer. Et dans l'absolu... On pourrait avoir des modules à base d'objets qui cohabitent avec des modules sous forme de LVLib ou de DLL. Conceptuellement, ça ne poserait pas de problème. <coughs> Première technologie qu'on va aborder, c'est la plus ancienne, c'est la LLB. C'est une technologie qui est un peu vieillissante, pas forcément préconisée pour les nouveaux développements. Je l'aborde tout simplement parce qu'on la croise encore de temps en temps, et ça explique aussi pourquoi on a certains dossiers dans la vieille libre qui s'appellent mon module .llb. La LLB, c'est tout simplement une archive zip qui va contenir les sources de votre module. Donc on va trouver dedans des VI, des CTL. L'avantage de la LLB, LLB c'est que sur le disque dur, on a un fichier. Et ce fichier contient votre code. Donc pour récupérer un module, c'est facile, il suffit de copier le fichier LLB, tout simplement. On a la possibilité de définir un top-level VI qui sera mis en avant dans le LLB Explorer. Donc ça permet de le retrouver plus facilement. Et en termes d'utilisation, la LLB, c'est assez similaire au dossier virtuel. Quand on glisse une LLB dans le projet, la Vue nous crée un dossier virtuel et va lister le contenu de la LLB dans ce dossier virtuel. <coughs> du coup, pour appeler un code, un VI qui est dans une LLB, on fait un simple drag-and-drop à partir du projet et ça fonctionne très bien. Donc sachez que ça existe, hein. je ne vous recommande pas forcément de l'utiliser pour les nouveaux développements. C'est toujours supporté, les screenshots que j'ai fait ici sont en 2023, on a toujours le LLB Manager. Donc, ça existe. Euh, Amaury Oui. Euh, je, je me permets juste un petit commentaire sur le LLB. <coughs> J'ai dû en utiliser il y, a, il y a 20 ans et je pensais ne plus jamais les utiliser comme tu le, tu le préconises. Il euh, y, y, a, y a des moments où ça peut être utile si tu veux quand même mettre euh, une série de VI, de sous-VI disponibles. Euh, sur l'explorateur, au même endroit que le VI que tu appelles, ça reste quand même le, le, le moyen le plus simple de ne pas mettre du bazar partout autour de ce VI. Euh, notamment, euh, moi, je les, je les utilise pour euh, tout ce qui est euh, création de, de, de custom commandes euh, avec le GCLI. Quand tu fais une, une commande euh, donc euh, en ligne de commande développée en view. si tu as des sous-VI, la LLB, ça reste le meilleur moyen pour stocker tes VI sans que ça vienne mettre le bazar partout là où tu stockes ta commande. Voilà, c'était juste fait. un petit euh, commentaire non sur mais ça. C'est un, un bon, gros je... point fort de la LLB d'avoir un seul fichier, effectivement. Voilà. Ce n'est pas parce que c'est ancien que c'est à proscrire, hein, bien au contraire. Voilà. Tant que c'est supporté, utilisez-les, il hein, n'y a pas de problème. Effectivement, bonne remarque, merci Olivier. Euh, deuxième technologie à notre disposition quand on va faire de la programmation modulaire, c'est la DLL. Alors, DLL, c'est un acronyme qui veut dire Dynamic Linked Library. Ce n'est pas une technologie ENI, c'est une technologie plutôt centrée écosystème Windows. En fait, la DLL vous permet d'intégrer un module logiciel écrit dans n'importe quel langage dans une application LabView, mais également d'exporter un module écrit en LabView vers une application qui serait écrite dans n'importe quel langage. On est capable de générer des DLL avec LabView. Petit fun fact, on peut aussi utiliser la DLL pour intégrer un module écrit en LoveView 2012-32 bits dans une application LoveView 2022-32 bits. Et ça fonctionne très bien. Moyennant les bons runtime installés. Donc la DLL, c'est une solution pour distribuer. Un module de manière compilée. Donc en fait, la, la DLL ne distribuera pas vos sources. Donc ça c'est un point important. Ça permet de protéger votre savoir-faire. Si vous avez un algorithme un peu sensible du point de vue métier, de le compiler en DLL va supprimer les sources et du coup le client ou l'utilisateur ne pourra pas décompiler la DLL. Ou alors ça va être assez compliqué. Il faudra lire du code machine. C'est pas forcément évident. Donc en tant que distribution compilée, la DLL doit être incluse dans votre distribution applicative. Donc concrètement, elle va résider à côté de l'exécutable et elle sera chargée dynamiquement au lancement de l'exécutable. Alors, un avantage de la DLL, c'est vrai que c'est un point que je n'ai pas précisé tout à l'heure sur la LLB, euh, la DLL possède une gestion de version native, alors que la LLB ne possède pas de gestion de version, n'est pas capable de mettre un numéro de version sur une LLB. <coughs> Dernier point au niveau de la DLL, du fait que c'est une technologie compilée, euh, la DLL nécessite d'être recompilée pour changer de plateforme. Alors, changer de plateforme, ça peut vouloir dire plusieurs choses. Ça peut être de passer de 32 à 64 bits, par exemple, au niveau du bitness de l'application. Ça peut être également pour passer de Windows à Linux ou Linux RT. Dans l'écosystème Linux, les DLL s'appellent des points .so, mais la philosophie est identique, ça fonctionne de la même manière. Par contre, il faut recompiler votre algorithme. S'il fonctionnait en Windows, en DLL, il faudra le recompiler en points .so pour le passer par exemple sur un Compact Trio. Petit point d'attention à ce niveau là, il faut savoir que les Compact Trio NI utilisent pas forcément tous la même architecture processeur et du coup une bibliothèque compilée qui marche sur un processeur ARM ne marchera pas sur un processeur Intel par exemple. Donc le changement de plateforme avec la DLL peut s'avérer assez complexe, il faut faire attention, faut prendre deux trois précautions. En termes d'utilisation dans le code, euh, la DLL s'utilise en passant par ce qu'on appelle des call library nodes. Donc on a un nœud d'appel spécial ici qu'on va configurer pour charger la DLL. Donc on peut préciser son chemin dans l'application, ce qui nous permet de le construire dynamiquement. Ou alors on pourrait tout simplement avoir le chemin dans la configuration du call library node. Ensuite au niveau de ce nœud d'appel, on va choisir quelle fonction on veut appeler dans la DLL et on va mapper ses entrées-sorties. Sur le connecteur du Call library node, ce qui nous permet de passer les données par des fils. Donc, on envoie les données d'entrée, on récupère les données de retour. Ça peut être assez complexe à configurer quand notre DLL utilise des types de données un peu bizarres, pas forcément existants sous la view, comme par exemple des tableaux de pointeurs ou des choses comme ça. Faire attention à la taille des numériques, faut faire attention à deux trois choses. Et point d'attention également au niveau de la gestion de la mémoire dans la DLL. Si votre DLL, si votre module fait des allocations mémoire et que la mémoire n'est pas très bien gérée, ça peut assez rapidement conduire à un crash la view. Donc faites de bonnes passes de test au niveau de l'intégration d'un module sous forme de DLL pour éviter les déconvenus, parce que ça peut être assez violent quand ça plante. Maintenant, on va passer aux technologies un petit peu plus que la view centrée, qui font partie de l'écosystème national instrument. Première chose qu'on va voir, c'est la LVLib, c'est une bibliothèque. Donc, en termes de format de fichier, la LVlib c'est comme le LVproj, c'est un fichier XML qui va décrire le contenu de votre module. Donc, sur le disque dur, on va trouver la LVlib et on va trouver également les sources du module. Hein, donc, à l'inverse de la LLB, on n'a pas un seul fichier sur le disque, on a vraiment la LVlib et on a les sources. Et l'arborescence la, relative entre la LVlib et les sources est très importante parce qu'autrement, la View, quand on charge la LVlib, s'il trouve pas les sources au bon endroit, il va être tout perdu, il va nous mettre des conflits dans tous les sens et ça peut être assez compliqué de se sortir de ce genre de situation. Donc, si on veut récupérer un module d'une application pour le passer dans une autre application ou pour le donner à un collègue, ben, on doit copier tout le dossier qui contient la lib et les sources et on doit respecter l'arborescence. Alors Petit conseil, quand on s'amuse à déplacer des fichiers comme ça qui sont dans Lib, euh, moi je vous invite vraiment à éviter de les déplacer manuellement par l'explorateur Windows et à privilégier l'onglet File de l'explorateur du projet LaView. simplement parce que cet explorateur intégré, quand on déplace des fichiers, va automatiquement refaire les pointages au niveau des VI. Il va refaire les liens et il va vous proposer d'enregistrer tous les VI qui appelaient le fichier que vous avez déplacé. Donc ça évite d'avoir des soucis et ça évite d'avoir des fichiers perdus ou des fichiers fantômes. Donc en termes de fonctionnement, la LVLib, elle va tout simplement décrire le contenu de votre module. Donc dans le fichier XML, on a la liste du contenu et on a des options qu'on va pouvoir déclarer au niveau de la LVLib. Par exemple, la première chose, on va pouvoir définir des autorisations d'accès, ce qu'on appelle l'accès scope. Dans la LVLib, on va pouvoir dire au niveau d'un VI ou au niveau d'un dossier virtuel. Cette fonctionnalité est publique ou cette fonctionnalité est privée. Donc, ça rejoint les préceptes qu'on a vu tout à l'heure et on va pouvoir choisir dans la LVLib quelle fonction va être accessible par l'écosystème, par l'application, et quelle fonction sera interdite. Et là, on aura vraiment une vérification faite par la View. Si on appelle un VI qui est en privé scope dans l'application, on aura une flèche brisée. Deuxième point au niveau de la LVLib on a une gestion de version. Donc, on est capable d'avoir un numéro de version dans notre LVLib pour savoir quelle est la version du module et où on en est dans son cycle de vie. Ensuite, une LVLib va être protégée par mot de passe potentiellement. Donc, on peut mettre un mot de passe au niveau de la LVLib. Alors, ce mot de passe ne protégera pas les sources il va protéger uniquement la LVLib. Donc, c'est toujours un fichier XML et toujours lisible. Par contre, on va avoir une signature numérique qui va être rajoutée dans le fichier qui va garantir que la LVLib n'a pas été modifiée ou corrompue, tout simplement. Et dernier point, la LV peut contenir de la documentation. On est capable de mettre des informations à l'intérieur de la LV Libre pour décrire le comportement du module, tout simplement. Une documentation assez succincte qui explique ce que fait notre module. <coughs> en termes d'utilisation, vu que c'est une technologie purement la view, ça n'impacte pas du tout le code. On a juste un item qui apparaît dans notre projet quand on glisse une LVLib. On voit apparaître la LVLib et à l'intérieur, on a son arborescence. Donc, on peut distinguer ici par exemple l'access scope private ou public avec la petite icône de clé qui apparaît au niveau des VI ou au niveau des dossiers virtuels. Après, en termes d'utilisation, on attrape notre VI dans le projet, on le drag and drop dans notre code et on l'appelle de la même manière que s'il n'était pas dans une LVLib. Un petit point important qu'a souligné Cyril tout à l'heure, euh, la LVLib connaît son contenu, elle sait quel VI lui appartiennent, à l'inverse, un VI qui appartient à une bibliothèque est aussi informé de ce lien. Donc si on sort un VI d'une LV et qu'on ne l'a pas réenregistré, ben, ce VI il va nous dire je ne trouve pas ma bibliothèque mère, je suis perdu en fait. Donc il faut faire attention quand on travaille avec les LV c'est vrai aussi avec d'autres technos, on verra plus tard, quand on déplace des fichiers, il faut être rigoureux. Si on va un petit peu plus loin au niveau des bibliothèques, on a la possibilité de faire ce qu'on appelle une LVLib P. Donc c'est une LVLib packagée, c'est une bibliothèque empaquetée en français. En fait, c'est la possibilité de distribuer une LVLib sous forme binaire, donc sous forme exécutable, j'ai envie de dire. Donc une LVLib P, c'est la distribution d'une LVLib dont les sources ont été supprimées. Donc c'est une façon de protéger votre savoir-faire. <laughs> L'avantage de la lvlib c'est un petit peu comme la LLB ou la DLL, on a un seul fichier sur le disque qui va contenir le contenu de votre module. Comme les sources ont été supprimées, c'est impossible d'y accéder. Donc on ne peut pas décompiler le contenu d'une LVLIB-P pour retrouver le code source. Petit bémol, hein, si vous activez les options de debug au niveau de la LVLIB-P, les sources seront accessibles en lecture pour la mise au point. Donc on casse un petit peu cette notion de protection. Au niveau de l'utilisation, c'est comme la DLL, dans la mesure où c'est une distribution, elle doit être incluse avec la distribution de l'application. Donc la LVLibP va résider à côté de l'exécutable et sera chargée dynamiquement par votre application. Petit conseil en termes d'utilisation on peut passer rapidement de la LVLib à la LVLibP au niveau de l'explorateur de projet en faisant un clic droit dans l'explorateur. Il y a un menu qui s'appelle Replace With et qui permet de passer de la LVLib à la LVLibP et depuis peu qui permet de passer dans l'autre sens. On peut revenir de l'LVIP à l'LVlib pour revenir en mode source et mettre au point notre application. <coughs> Je vous ai dit en introduction, la programmation orientée objet est une méthode pour faire de la programmation modulaire. Mais sous l'upview, pour faire de la programmation orientée objet, on va utiliser un format de données LV -class, qui s'appelle le LVClass, ni plus ni moins qu'une LVlib. Mais qui va nous permettre de faire de la programmation orientée objet sous la bio. Donc, en termes de format de fichier, une LV classe, c'est comme une LV lib, c'est un fichier XML avec une nuance cependant. On a un fichier CTL qui se rajoute et qui va contenir les attributs de votre objet. Donc, les attributs, c'est tout simplement les données privées de votre classe et on va accéder à ces données à travers des méthodes, des accessoires. Enfin, c'est tous les paradigmes de la programmation orientée objet. Donc, en termes d'avantages-inconvénients, on retrouve les mêmes que ceux de la LVLib, avec en plus la nécessité de se conformer au principe de l'OOP. Donc les liens entre le VI et la LVClass, le fait que la LVClass connaisse son contenu, que les VI savent qu'ils appartiennent à une LVClass, tout ça reste identique à la LVLib. À noter cependant qu'on ne peut pas faire une LVClass P, on n'est pas capable de faire une classe empaquetée pour faire une distribution binaire. Donc, pour résumer, pour ceux qui ne sont pas trop intimes avec la programmation orientée objet, une classe en fait c'est un ensemble de données et de méthodes qui vont nous permettre de construire une application en se basant sur les interactions entre ces objets et en utilisant des mécanismes d'héritage, de dispatch dynamique pour construire des comportements assez complexes avec une programmation qui reste lisible et assez simple à appréhender. Donc, on voit ici apparaître une flèche rouge au niveau du diagramme que je vous présente. Au niveau de la programmation modulaire, j'ai dit qu'on allait privatiser quelque part les données des modules pour éviter que les, les données soient accédées de manière injustifiée. La LV classe nous garantit ça, puisque normalement, le code qui veut accéder aux données de la classe doit passer par les méthodes. Donc, c'est vraiment un mécanisme pour renforcer la programmation modulaire. En termes d'utilisation sous la view, alors les constantes de classe apparaissent sous forme d'un cube qui contient l'icône de votre objet. Donc là, j'ai fait un petit exemple qui implémente, par exemple, des modules d'acquisition ou des modules d'enregistrement. Enfin bref, des modules qui vont fonctionner dans votre applicatif pour faire du traitement ou pour faire de l'acquisition. Donc première étape ici, je construis ma liste de modules tout simplement en mettant mes constantes d'objets dans un tableau. Éventuellement, on a une phase de configuration. Donc, on peut accéder à nos objets pour aller renseigner des informations. Donc, là, par exemple, je leur passe des références de fil d'attente pour communiquer. On parlait de standardisation. Vous voyez que moi, pour ma communication, ici, j'utilise un Handler, par exemple. C'est une méthode parmi d'autres. Et ensuite, on va pouvoir appeler des fonctions de ces modules en leur passant la référence d'objet ici pour que la fonction, quand elle fonctionne, ait accès à son contexte et à ses paramètres. On peut aller plus loin et pousser quelque part la modularité à son extrême en faisant ce qu'on appelle des plugins. Un plugin, donc un greffon en français, va mixer la programmation orientée objet avec la possibilité de distribuer des LVLibs empaquetés, des LVLibs P. Donc l'idée, c'est de mettre dans une LVLibs P un fichier LVClass. L'objectif, c'est de permettre de charger dynamiquement des modules dans une application en dissociant quelque part le cycle de vie des modules et du noyau applicatif. Comme nos modules sont distribués sous forme de B, leur cycle de vie est autonome quelque part. On est capable de mettre à jour un module sans avoir à redistribuer toute l'application. De la même manière, si on développe un gros produit qui fait appel à plein de modules métiers, on peut. Dégradé, où on peut choisir de livrer uniquement un certain nombre de modules en fonction des besoins du client. Avec les plugins, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que l'application n'a pas connaissance de l'intégralité des modules qu'elle peut charger. L'application va avoir connaissance uniquement d'une interface et ensuite les modules vont être chargés dynamiquement. Alors, quand on fait du plugin, on y reviendra tout à l'heure. On a l'obligation de respecter une séquence de construction de l'application, autrement ça ne marche pas. Par exemple, on va commencer par créer la LVIP qui va contenir la classe qu'on appelle l'interface, qui va être la classe mère de tous les modules en fait. Et on va appeler cette classe empaquetée, compilée dans notre application. Ensuite, on va créer nos modules, nos plugins et donc toutes les classes qui vont implémenter les modules vont hériter de cette interface empaquetée, de cette interface compilée. Et quand on fait cette construction d'application, il peut se produire un phénomène, c'est que quand on construit par exemple un module, la classe hérite de la classe mère, donc l'application builder va vouloir inclure la LVIP qui contient la classe mère. Donc si vous avez quatre modules, l'application builder va essayer de l'embarquer quatre fois. Donc pour éviter d'avoir des erreurs à la compilation qui nous disent que le fichier existe déjà, bah on a une option ici qu'on peut activer au niveau de la spécification de construction pour ne pas inclure les bibliothèques dépendantes. Donc typiquement, la classe mère ne sera pas embarquée avec chacun de vos modules. Donc, comme je le disais tout à l'heure, l'idée quand on fait du plugin, c'est que le projet principal ne connaît pas les modules avec lesquels il va pouvoir interagir. Donc, ça veut dire qu'on va devoir faire plusieurs projets. On va faire un projet pour l'application, on va faire un projet pour les modules, pour chacun des modules d'ailleurs. Par contre, il y a une constante c'est que tout le monde va connaître la classe abstraite, la classe mère. L'application va la connaître et tous les modules vont la connaître. C'est vraiment le point de connexion entre les modules et votre applicatif et ce point a besoin d'être connu par tout le monde. Alors. Le gros avantage quand on fait du plugin, c'est que là, on est vraiment sûr d'avoir aucun couplage entre les modules, puisque les modules ne se connaissent pas entre eux. Et le deuxième avantage, c'est que nos modules sont 100% dynamiques et sont chargés à partir des fichiers LVLIP. Donc, on peut changer à la volée des modules dans notre application. On peut imaginer de livrer un noyau applicatif. Et puis, euh, on, le jour J, on a envie de faire un enregistrement TDMS, on charge un module d'enregistrement TDMS. Et au jour J plus 1, on s'est dit, hein, ce serait pas mal peut-être d'avoir un fichier CSV à la place. Ben, on peut imaginer remplacer notre module TDMS par un module d'enregistrement CSV. L'application reste la même et on va faire du fichier CSV à la place de faire du TDMS, par exemple. En termes d'utilisation sous la Vue, c'est un petit peu plus complexe. On a des étapes supplémentaires en fait. Première étape, bah, c'est d'obtenir la liste des modules, la liste des plugins qui sont disponibles quand on lance l'application. Alors, dans mon cas, j'ai choisi de faire un list directory je récupère l'ensemble des fichiers lvlibp qui sont dans un dossier et je considère que j'ai un module par lvlibp. Ensuite, on va charger nos plugins, donc on va charger nos classes et pour ce faire, on utilise une fonction ici qui s'appelle getLabViewClassDefaultValue on lui donne le chemin d'une classe. Et il va nous créer la constante associée en fait. Alors ici, vous voyez que le chemin de la classe est récupéré à l'intérieur de la pack librairie. Ce via ici liste le contenu de ma pack librairie. Et bah, je me suis astreint à avoir une seule LV-classe par module. Du coup, je récupère le premier chemin, c'est ma LV classe. Et je charge mon plugin comme ça. La suite de l'utilisation est similaire. Ici, on peut avoir des méthodes pour configurer et ensuite on peut appeler des fonctions ou des process. Là, par exemple, j'ai lancé des process. Qui travaillent qui peut faire par exemple une acquisition continue qui peut faire un enregistrement après l'utilisation va être liée à votre besoin à votre architecture et à comment vous voulez travailler donc petit rappel sur la construction quand on commence à faire des plugins quand on commence à faire des packs librairies des choses comme ça faut vraiment avoir les idées claires sur comment fonctionne la view alors la view quand on écrit un vi quand on saisit du code va générer à la volée du code compilé à partir de votre code source, à partir de ce que vous avez écrit. Et ce code compilé peut être embarqué soit dans les VI, donc c'est les options par défaut. Dans votre VI, vous avez bah, la face avant, vous avez le diagramme, l'icône, le terminal, et vous avez aussi le code compilé qui va avec. Et on peut choisir de séparer ce code compilé pour l'enregistrer dans un cache de compilation. On a une option séparée de compile code qu'on peut activer sur les VI. Ça change juste l'endroit où va résider le binaire que va exécuter la View, en fait. Enfin, que va exécuter le Runtime Engine, si on veut être rigoureux. Donc, la View génère du code compilé à partir de vos sources et le Runtime Engine va exécuter ce code compilé. C'est un petit peu plus complexe en réalité. Je vous invite à aller voir la présentation. Enfin, il y a un billet de blog sur le site de Eni qui s'appelle La View Compiler Under the Hood qui explique très bien tous ces mécanismes. En gros, pour résumer, ce qu'on peut retenir, c'est que la construction d'un exécutable ou d'une pack librairie, c'est un processus qui va générer un fichier 100% binaire en supprimant les sources de votre application. Donc, quand on distribue un exe ou qu'on distribue une B, normalement, les sources ont été supprimées et on ne peut pas remonter au code source. Donc, ça protège votre savoir-faire, ça va protéger vos algorithmes, ça va protéger en fait votre, votre valeur ajoutée. Donc ces aspects sont quand même à prendre en compte quand on choisit une technologie pour faire du développement modulaire. On peut avoir des blagues quand on fait du lancement dynamique de VI avec ses pareils de compile code. Donc pour éviter un certain nombre de pièges, moi je vous invite à aller voir le billet de blog et avoir les idées claires à ce niveau-là. Quand on fait du plugin, je vous ai dit tout à l'heure, il faut respecter une séquence de construction. Et quand on a énormément de modules, cette séquence peut être assez laborieuse à maintenir et assez laborieuse à dérouler. Et il y a Morgo Daidi qui a développé un, un outil qui s'appelle MGI Solution Explorer, qui s'installe par défaut avec la View maintenant, qui va nous permettre d'automatiser un petit peu toutes ces, toutes ces constructions fastidieuses. Donc Solution Explorer va nous permettre de décrire la hiérarchie des composants d'un projet. Donc on peut avoir une solution, donc on appelle. La description, on l'appelle une solution qui va décrire un module unitaire. Donc, cette solution va contenir un projet et une spécification de construction. Mais on peut avoir aussi des solutions de plus haut niveau qui pointent sur d'autres solutions. Et en fait, on va faire une arborescence de compilation en utilisant ces solutions. On prend notre solution de plus haut niveau, on lance la construction et MGI Solution Explorer va automatiquement dérouler l'arborescence en partant des racines, en compilant les modules de base et en remontant les strates et en compilant les modules les uns après les autres. Donc, ça, ça, ça offre un réel gain de temps à ce niveau-là. On a la possibilité aussi d'avoir une gestion de version. Et on peut également gérer des spécifications de construction différentes, par exemple pour passer facilement du mode debug au mode release en activant ou pas les options de débug dans les constructions. Donc ça, c'est un outil qui permet vraiment de gagner du temps à ce niveau-là et qui permet de construire des applications complexes de manière assez directe, en fait. Donc pour conclure, je vous propose une petite synthèse des différentes technologies à notre disposition. Donc si on prend par exemple la DLL, il y a un point qui va être fondamental, qui va nous inciter à choisir la DLL, c'est est-ce qu'on va être compatible multilangage c'est la seule technologie qui nous permet d'exporter un algo écrit en LabView dans une application C ⁇ ou inversement. Donc l'ADLR sera la seule solution pour être compatible entre plusieurs langages. Ensuite, il y a tout ce qui va traiter la gestion des sources. Est-ce que nos sources elles sont accessibles Est-ce que nos sources elles sont protégées et par exemple, avec toutes les technologies LLB, LVLib, LVClass, nos sources sont accessibles, puisque c'est juste des astuces, soit pour stocker dans un seul fichier d'archive, soit pour avoir un index. En fait, une LVLib, c'est un index de vos sources, mais vos sources sont toujours là, elles sont toujours accessibles, elles sont toujours visibles et éditables. Donc, quand on va vouloir protéger nos sources, une solution, c'est de les supprimer. Donc, ça va être de passer à des solutions compilées, distribuées. Donc, par exemple, les LVLibP ou les plugins, c'est la même chose puisque les plugins utilisent des LVLibP. Ou la DLL. La DLL, de facto, va protéger les sources. Un aspect ensuite, ça va être est-ce qu'on est compatible avec plusieurs plateformes Donc, la DLL ne l'est pas, hein, on l'a vu, c'est une technologie compilée. Donc, de la même manière, la ne le sera pas. Je pourrais vous faire une démo si ça vous intéresse. J'ai compilé une application avec des plugins en 2023, 32 bits. Je ne peux pas l'ouvrir en 2023, 64 bits. Je dois recompiler mes LVLIP. De la même manière, si on passe en RT, on doit recompiler nos LVLIP à destination de la cible temps réel. Au niveau de la simplicité d'intégration, de manière générale, les technologies INI. S'intègre facilement dans la Vue. C'est normal, c'est le même écosystème, ça marche assez bien. La DLL, en réalité, ça dépend. Ça va dépendre de la complexité des fonctions qu'on veut appeler, de la complexité des données qu'on doit échanger. Ça peut être simple, ça peut être extrêmement compliqué, voire impossible sans avoir à développer des wrappers. La P en tant que telle, à intégrer, ça peut être assez simple. Il faut faire attention aux dépendances, aux appels croisés. Et quand on fait du plugin, si on a pris toutes les précautions et qu'on n'est pas tombé dans les pièges inhérents à l'architecture plugin, c'est relativement simple, même si le process est assez lourd et assez long et assez laborieux. Et enfin, le dernier point qui est intéressant, c'est ce qu'on a à notre disposition une gestion de version ou pas. Donc, mis à part la LLB, où il ben, n'y a pas de gestion de version native, et si on veut gérer une version, on met un fichier texte à côté. Euh, toutes les technologies à notre disposition aujourd'hui nous permettent de gérer des versions, voire de la documentation. Donc, le choix de la technologie ben, vous appartient. Il faut peser un petit peu le pour et le contre des différentes solutions. Est-ce que les gains sont supérieurs au temps qu'on va passer à intégrer, à développer ou autre il y a vraiment une réflexion en amont à avoir avant de démarrer la création de votre application. Donc, dans tous les cas, n'oubliez pas de mettre de l'ambition dans votre ingénierie, hein, c'est important. Donc, euh, je vous remercie pour votre attention et bien évidemment, si vous avez des questions, je suis ouvert pour y répondre. Euh, alors. Euh, y a, merci, euh, merci à Maury pour cette présentation euh, également euh, très très intéressante. Il y a pas mal de questions, il y, pas pas, y a eu pas mal de commentaires dans le chat sur des sujets que tu as évoqués. <coughs> Première question qui est arrivée dans le chat de, de Nicolas. Nicolas, je te laisse poser la question. Oui, euh, j'essaie de la retrouver. Sinon, euh, c'était pour, pour savoir euh, au niveau du couplage entre tes codes et par extension, les, la gestion des dépendances entre tes codes, oui. euh, savoir comment est-ce que tu gérais ça et comment est-ce que tu gérais surtout l'indépendance entre tes codes. Quoi. Je, tu développes de comme ouais Comment tu fais la vérification que tu n'as pas réutilisé un VI d'un module dans un autre alors que ça ne devrait pas, etc. etc. Est-ce que c'est fait manuellement C'est fait manuellement. Aujourd'hui, je suis en train de le mettre en œuvre sur un gros projet. C'est assez laborieux et c'est de laisser échec. En réalité, on compile et on regarde ce qu'on a dans la dépendance. La solution que j'essaye de mettre en œuvre, qui n'est pas forcément évidente, hein, c'est vraiment de faire les modules les plus petits possibles. Et quand j'ai des dépendances communes à mon application, je me crée un module de support qui, lui, n'a aucune dépendance et qui servira de dépendance aux couches du dessus. Alors, ce n'est pas idéal. Ça pose encore un certain nombre de problèmes. Alors, un des critères hein, à ce niveau-là, c'est est-ce que la vue plante à la compilation Parce que ça peut être assez violent, l'application builder peut complètement casser et vous dire que euh, il comprend pas quand il construit votre application, il a trouvé le VI à deux endroits différents, il l'a trouvé dans ses dépendances et puis il l'a trouvé à côté. Donc, quand on construit une application en partant de zéro, euh, je pense que le plus important, c'est vraiment de l'intégrer dès la phase d'architecture. Et, et en permanence, quand on avance dans le développement, de faire attention à ça. Une solution, par exemple, ce serait que les fonctions de support soient déjà empaquetées en LVIP dès le début. Comme ça, on est sûr de pas de pas copier des VI ou des choses comme ça. Rajouter de la modularité, rajouter des LVLib et des LVIP dans une grosse application existante, c'est un défi quand même. Hein, c'est pas évident. Donc euh, aujourd'hui, je n'ai pas de solution miracle à ce niveau-là. Éventuellement, s'il y a des personnes qui ont des solutions, bah, bah, je suis également preneur. Ça m'intéresse. C'est pas évident. C'est pour ça que j'en parle aujourd'hui. Il y a pas mal de pièges à ce niveau-là. Il faut, faut procéder discuter. avec précaution. À discuter exactement. Euh, merci. Il y, a, il y a Louis qui avait une question autour du Preserve Runtime Engine. Peut-être on peut lui laisser ouvrir son micro et préciser. Ah non, c'était... Euh... Chaque fois qu'on en a besoin, on repasse une heure à regarder dans l'aide ce que ça donne. Et j'ai vu que sur un de ces, un de ces screens, il l'avait, oui. il l'avait mis. Ah, C'est cool. ce VI là, le preserve time engine, engine class. Euh, en toute franchise, je sais pas exactement ce qu'il fait. Quand on charge des plugins dans le en exe, si on le met pas, ça marche pas. <laughs> Ça, c'est du retour d'expérience. Hein. C'est que si on le met pas, ça marche pas. J'ai pas ouais, vraiment compris le ça contenu ça de la doc à ce niveau-là. Euh... Le... Ouais, je suis, suis d'accord avec le, la remarque de Loïc. On repasse tout le temps une heure à, à, à regarder à quoi sert cette fonction. En général, on s'en sert quand euh, le, le, le. non le, Ça marche pas le, autrement. Le, ouais, ça. tout le, le monde le met le tumor spécifique classe te renvoie une erreur, tu dis, bon, alors là, il faut peut-être que je mette le préserve runtime. Moi, j'ai souvent la... Je l'utilise et, et je crois qu'il est très utile quand tu... Euh, quand euh, le compilateur ne sait pas quel type de classe il doit ressortir, en fait. Mmh. En je fait, tu lui donnes ça, de l'info sur, le... sur la classe de sortie. Mmh. Alors que si mmh. tu utilises le tumor spécifique classe, enfin, si tu utilises le tumor spécifique classe, la classe... L'objet est de la classe euh, que tu as connecté au tumor spécifique classe, alors que là, tu pourrais mettre une autre classe euh, dans l'input qui définit ta classe et la classe de sortie serait typée euh, de l'objet réellement et pas de la mère ou pas. Enfin, ça, 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 joue là-dessus. Mais il faut relire la doc euh, une fois tous les deux que ans. Je pense que euh... quelque chose dans ce goût-là, effectivement. Oui. Ça doit être un tumor spécifique classe, mais qui, qui anonymise le lien entre les classes filles et la classe mère, peut-être quelque chose dans ce goût-là. Voilà. Comme le dit Olivier, c'est en effet ça, c'est que c'est pas vraiment un tout mort spécifique classe, parce qu'en effet la classe de sortie ici va être castée sur ton sur ton sur ta plugin interface, mais la vraie classe de l'objet qui est dans le fil, ça va être la classe de ton plugin euh, de l'enfant, avec toutes ces données qui vont être en effet préservées. Euh, donc moi, j'utilise de manière générale. En, il y a plus de cas où lui marche tout le temps et le tout mort spécifique classe ne marche moins. Donc je commence toujours par celui-là. Ça me fait gagner du temps. Ouais, sauf que si tu une erreur avec lui, t'es mort, quoi. T'as plus de solution, quoi. Non, c'était. Bah, si oui, mais euh, dans tu ce cas-là, tu fais le tout mort Ou le variant non, en date, général. Hein, des ouais. fois, il sauve la mise. Ouais, ouais, non, mais ouais, c'est. Il faut le connaître déjà. Enfin, pour ceux qui ne connaissent pas la, la fonction, c'est clair que le ouais, connaître, ça que... peut être une solution pour résoudre un problème. Moi, j'avais une question à Oui. En début, quand tu as présenté la théorie, tu as dit euh, euh, quand tu as deux modules, euh, pour communiquer, tu les fais passer par, euh, par ton noyau applicatif, ton module applicatif. Tu, tu fais ça, monter ta requête ouais. à un noyau applicatif et ouais. tu fais redescendre à, à, au module qui, que, que tu souhaites interroger. <laughs> euh, ça, tu le fais tout le temps dans tous tes projets, dans toutes tes architectures parce que, que je vais te mentir. <laughs> non, 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 sur le cœur en disant ça. Non je peux pas, je peux pas m'engager. Je ne répondrai qu'en présence d'un avocat. Euh, <laughs> C'est le monde idéal où quand on fait de la programmation modulaire, nos modules sont 100% autonomes et on s'astreint à passer par le noyau applicatif. C'est pas toujours possible. Euh, soit pour des raisons de performance, soit pour des raisons que il ben, y a un module qui doit causer avec un autre module en direct. Ça peut arriver. Oui, D'accord. Bah, ok. Mais idéalement, faut voilà. éviter quoi. D'accord. Ok. C'était la, la, pr la présentation de euh, voilà de l'idéal. Euh, Ça, c'est l'idéal et on sait très bien que on peut essayer de tendre vers un idéal, mais on y arrivera jamais. <laughs> on a le Alors, droit d'être pragmatique on... un peu. Et... Bah, on a l'obligation d'être pragmatique, je pense. Voilà. <laughs> ok. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Je est-ce qu'il y a d'autres questions J'en ai pas. Alors dans le chat, il y a eu beaucoup d'échanges, donc j'ai peut-être ah, loupé des questions. Je n'ai pas suivi du tout. Ouais, mais alors tu as bien fait parce que je On pense que ça, il y en avait, oui. <laughs> euh, <laughs> il y avait eu trop d'échanges. S'il y a des personnes <laughs> qui veulent euh, poser des questions, euh, bah oui. lever la main dans le dans le chat, puis euh, ouvrez le micro. Si je n'arrive pas encore à rejoindre le Discord, mais dès que c'est fait, après, je pourrais répondre aussi sur le Discord. Ouais, alors, Bah, Amaury, merci de, de rappeler qu'il y a ce Discord-là. On va le. Truc, mais bien sûr, alors... Voilà, Donc, Mathieu euh, si l'a alimenté. N'hésitez ce euh, pas, c'est un test, on verra si ça fonctionne. Euh, vous avez compris, je pense que l'idée, c'est de maximiser les échanges qu'on peut avoir euh, entre nous. Euh, voilà, c'est un outil en plus qui est différent de LinkedIn qui est de toute façon mieux que le forum NI. Euh, donc, euh, donc voilà n'hésitez pas. Euh, bah, écoute apparemment il n'y a pas d'autres questions Amaury, merci pour ta bon, présentation endormi, pour ça. <rire> <rire> Non 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 c'était très animé et c'était très intéressant. Euh, merci de clôturer euh, du coup euh, l'année 2023 euh, des rencontres du luge.